Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va? Écoute, ça va très très bien et toi? Ça va très très bien aujourd'hui, decklist 5 couleurs Niv-Mizzet de Yukuhiro, présente au MC7, c'est incroyable. Avant de parler de cette decklist, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, comme d'habitude, voilà, comme le dit le petit truc là qui pop, juste là, voilà. Si vous voulez soutenir, il y a toujours la page YouTube, mais surtout il y a le code VALEPL2019 dans la boutique Magic Bazar. 3 boosters à partir de 50€ d'achat, 1 booster à partir de 10€ d'achat, et ça fait quand même plaisir. Voilà pour votre première commande uniquement. Merci à tous ceux qui ont utilisé le code ou qui l'utilisent, ça nous soutient. Merci énormément. Et, petite annonce également en parlant de nos streams, non, on n'en parlait pas, mais je vais en parler. Par rapport auto-promo au Rosmois du lundi, et ben sachez que lundi 23, parce qu'on l'a déjà dit dans des vidéos, dans stream, etc., on le répète, il n'y aura pas de stream du coup du 24, donc Noël, jusqu'au 2 janvier, date du prochain stream. Mais le 23, c'est le dernier stream de 2019, pour le coup. Et on fait un petit stream de Noël spécial. Yes. Donc, n'hésitez pas à venir, ça va être très très cool. On va mettre en place un petit peu d'interaction. Des choses à gagner. Des choses à gagner. Un truc très sympa. Une expérience interactive parce qu'on jouera également contre vous à un moment donné. Ouais, et vous aurez des objectifs cool. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est qu'on sera comme à l'époque, tous les deux au même endroit pour le stream, un peu comme pour les casts et pour les anciens streams que vous connaissez. Et on vous a mis en place un petit jeu. On peut le teaser ou pas? On peut envoyer un petit bingo de Noël. Un bingo de Noël où on devra remplir le bingo. Donc du coup, cette fois-ci, on sera avec vous. Et après, vous devrez aussi remplir le bingo. Et là, on jouera contre vous. Voilà. Et bien sûr, si vous remplissez le bingo, il y aura des choses à gagner. Donc, on se retrouve le 23 décembre, le lundi, à partir de 20h. Ne loupez pas ça. On Exactement. Va passer un bon moment. Voilà. Et sinon, joyeux Noël à tous. Passez de très bonnes fêtes. Exactement. C'est vrai qu'on ne le disait pas dans les vidéos, mais passez de bonnes fêtes. C'est très important. Ouais, on a encore le temps. Là, vous voyez cette vidéo. Oui. Il reste bien une bonne semaine avant Noël. Une bonne semaine. Bonne semaine. Cette décliste, du coup, Niv-Mizzet revenu à la vie. Donc, pour 5 mana, on a une 6-6 vol qui, quand elle arrive en jeu, on regarde les 10 cartes du dessus et on prend pour chaque paire de couleurs, du coup, une carte dans sa main. Pourquoi quand t'as dit paire, je pensais au paire, c'est marrant. Et, tu penses au Père Noël, c'est normal, c'est rigolo. Donc, on peut prendre 4 cartes différentes, enfin, jusqu'à 4 cartes, on va dire, dans cette decklist, et 3 cartes différentes. On mais a Teferi, FR de temps, Spirale de croissance ou Crasis Hydroïde, l'un ou l'autre, parce que les deux sont simiques. Évasion dans les friches et Victime de la guerre. Peu de cartes à piocher, mais c'est pas grave, ce sont des cartes très impactantes, très fortes. Pour jouer ça, donc on a une mana base qui le permet, mais on a surtout 4 feux de l'invention. Je pense que c'est le deck qui rentabilise le plus feux de l'invention de l'entièreté des decks qu'on ait vu. Ouais, parce que vraiment, les deux spells que tu vas caster dans le tour, genre si c'est Victime de la guerre et Évasion des friches, ça n'a pas gaulerie quoi. Ah bah c'est très fort. Voilà. Donc feux de l'invention qui permet de tout caster très aisément. Kenrit, avec, on peut activer tous ses effets, donc très cool. On peut ramener un Niv-Mizzet, piocher des cartes, gagner des points de vie, mettre des marqueurs, donner la sévérité, trop bien. Teferi, bon, très bon outil de tempo. On a Loi d'or, Druidesse de paradis qui permet de fixer les couleurs et Spirale de croissance qui permet de ramper. La bonne Crasis qui permet de toucher des cartes, d'aller tuer l'adversaire aussi en fin de partie. Évasion des friches pour plein de CA. Victime de la guerre parce que dans le méta actuel ça touche plein de decks de plein de façons différentes. Les decks fire et les decks four. Et puis et voilà. Ça permet de comeback assez facilement et il doit y avoir des plays vraiment sympathiques du genre quand vous avez Fire sur le board, vous faites Niv-Mizzet et vous pouvez instantanément caster la carte que Niv-Mizzet vous a donnée. Exactement la même chose pour Évasion dans les friches, donc du coup ça donne quand même des trucs, vraiment des tours extrêmement heavy en fait, très très lourds. Et on note par contre que Crasis Hydroïde, ça ne synergise pas très bien avec Feu de l'Invention, mais vous allez accumuler tellement de mana que des fois vous allez juste vouloir payer votre Crasis à la main pour piocher plein plein de cartes. C'est une decklist qui a été soumise par Ken Yukuhiro qui joue toujours des Broodecks pour le MC7. Malheureusement il n'a pas réussi à faire une performance avec, mais en tout cas voilà, c'est une decklist qui a été jouée en pro tour, donc quand même un petit peu validée, très intéressante. Il y a son compare Shotei Yasuoka japonais également qui lui a joué 5 couleurs Golos, donc la même version sauf qu'il n'y avait pas de Niv-Mizzet, il y avait Golos à la place. Ça devait être aussi fort sympathique, c'est-à-dire qu'au lieu de piocher des cartes sur Niv-Mizzet, vous vouliez faire des activations de Golos pour aussi ne pas payer vos spells. C'était à noter. Et pourquoi on vous fait pas une deck tech avec le magnifique visuel qu'on a d'habitude? C'est parce que pour le coup, on n'a pas de recul sur la liste. On va pas deck techer un deck qu'on connaît très peu, quoi. En plus, que c'est pas un deck qu'on recommande forcément. Ouais, c'est très drôle, c'est un junk deck, quoi. Ça reste cher, pas du tout à gros. En termes de wildcard, donc on vous conseille pas de le créer si vous êtes en plus on a budget. C'est ça. Il y a pas de clairon sur le ladder. C'est très compliqué de faire marcher ça. Ouais, c'est vraiment donc, un deck de tournoi. On va essayer, on va se faire plaisir en jouant ça et on voulait vous la présenter parce que c'est quand même à souligner que quelqu'un ramène cette decklist à un Mythic Championship. C'est, on dirait c'est un junk deck quoi. Ouais, et puis ça nous fait plaisir de pouvoir jouer Niv-Mizzet revenu à la vie. Donc en plus, quand c'est une decklist de Yukuhiro, ça fait quand même très plaisir. Boss. À noter, petite interaction très sympa, vous pouvez faire tour 2 spirale, tour 3 feu de l'invention, tour 4 évasion dans les friches, je lande victime de la guerre. Voilà. Et ça marche bien. Tour 4 victime de la guerre. C'est ce que le deck est censé faire en c'est fait. C'est pas mal du tout quoi.
Ou alors on fait tour 1, Watt d'or. Ah non, Ah mais non, non, parce que du ça coup, marche qu'avec tu Spiral. n'auras pas les manas pour feu de Il faut l'invention. le land, ça marche donc avec C'est Spiral ça. là. Ou Druides, mais Druides ne permet pas de faire Viking de la Non, ça guerre marche tour toujours. 4. Ça Mais marche ça marche qu'avec pour évasion. croissance, ouais. Tu peux faire tac, 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 mais tu peux pas faire tac, 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 tac. Donc en tout cas, c'est une ligne de play qui est très sympa. Passons au petit sideboard. Yes, qui est Hop bien là. carré. Bien Kenyu Kuroru, carré. il fait tout le temps des sides presque transformalités. C'était un peu Bah, c'est ça à ça. l'époque de son Et Mardu. là, très intéressant, parce que du coup, on a les suppressions étincelles qu'on peut aller chercher. Comme on n'a pas de carte Orzhov, on peut aller chercher avec Niv-Mizzet. Tolzimir également, on n'a pas de carte Celestia, donc on peut aller chercher très aisément. Et pareil Et pour les Adjointe, adjointes. on remplace Teferi. On a Ça déjà donne Teferi, plus de mais sélection. en gros, je pense qu'il enlève les Teferi et il met les Adjointes Contre les decks agressifs. contre deck agressif, et c'est quand même pas mal. 4 Ceratops, il s'attendait à des decks flash, il avait raison, mais Mythic Championship, sur le ladder, il y en a également. Et le Kenrit, one slot, qui permet. Oui. Elle est toujours tellement bien pensée, bien soignée, sa decklist. C'est-à-dire, même si le mec il ramène 5 couleurs Fire, donc qui est un deck quand même qui n'est pas Bah, c'est forcément carré très méta, solide. c'est toujours, toujours très bien pensé. Quand tu vois les 4 drops comme ça dans son side qui s'intègrent bien à son deck, tu dis putain, quand même, c'est fort. Ouais. Et du coup, là, le Kenrit qui est là, surtout contre les decks aggro. Et contre les decks contrôle, je pense que c'est pas mal de faire de la value parce que tu peux réanimer tes Niv-Mizzet. C'est Ouais, pas mal t'as aussi. les Ceratops qui sont cool. Et normalement, contrôle, tu vas lui proposer tellement de plays, tellement de séquences à la fois que. Tu devrais être pas trop trop mauvais contre ces decks-là, quoi. Pour le coup, Sinon, ouais. s'il est parti en Mythic Championship avec ça, c'est qu'il se sentait faible contre aggro, mais bien contre le reste. Sinon, il n'aurait pas considéré jouer ce deck-là. C'est vrai. Ou alors c'était un pari. Bah, non, parce qu'il savait Non. vraiment qu'il n'y aurait pas d'aggro, donc... Et où joue contre Ken Yuku-Hiro. Non. Non. On ne sait pas, hein. Je connais pas son pseudo sur Arena. Je pense pas que ce soit Yuropi. Je pense pas non plus, mais il y a Yuro, Yuku-Hero, tu vois, enfin, je sais pas. Ah bah non, on va pas assez de land pour garder cette main. Dommage, hein. Ah oui. C'est mieux. Garder 6 cartes, Ouais. enlever un Teferi. Et c'est mieux et pourtant c'est pas très bien. Hein. C'est pas très bien, non, mais Non. faut que ça monte. Ah, faut vraiment que ça monte même. Je sais pas si. Après Moula 5, je pense que tu peux pas gagner avec ce deck. Ouais, c'est très dur. Ok, là on va pas utiliser notre passage merveilleux. Non, on veut Parce juste trouver des que terrains. pour faire Teferi, il faudrait vraiment chatter pour le coup. À Ok, noter on que le prend pas de deck terrain. joue beaucoup de terrains pour pouvoir justement séquencer Ouais. ses plays et. Parce qu'en fait, même si on n'a pas besoin de mana coloré avec Feu de l'Invention, on a besoin d'avoir un certain nombre de terrains, quoi. On joue contre Jeskai Cavalier. Ouais. Ok, Tu un serais petit plutôt un temps. match-up ok du deck si on trouve Bah nos landes. nickel. On va pouvoir faire Feu de l'invention, c'est impossible, parce qu'il a Teferi. On va juste faire Teferi et Bounce le sien. Du coup. Ouais, je crois. Du coup, faut. Ou tu peux aussi Fire Teferi, Bounce le sien. Ouais, Ça l'oblige à utiliser son Teferi. ce qui va se passer, je pense, hein. Ouais. Hop là. Bim. On va fetcher du blanc, c'est la seule couleur qu'on n'a pas là. Fire, Teferi, Bounce. Ça vous permet de piocher une carte, en plus c'est pas trop dégueu. Non, ouais, ça passe. C'est ok, et puis au moins t'as développé ton Teferi, quoi. Le seul truc qui est chiant, c'est que maintenant on peut plus bouncer les cavaliers, mais en fait, dans tous les cas, il aurait été tapé en célérité avec s'il avait eu l'occasion. Ouais. Il Après, là, faudrait sur ce trouver encore un spell-là, il land. aurait pas pu, hein. Sur ce tour-là, pardon. Sur ce tour-là, non. Ouais, ça se discute. Peut-être qu'il fallait garder Teferi haut en loyauté, je sais pas. On disrupte, c'est pas dégueu. Faut trouver un land sur le dessus du deck là, Ah, il trouve maintenant. cavalier en plus. Bah, de toute façon, tu loupes un tour de land, c'est la fin. Hein. Ouais, bon, Contre un deck qui lui va pas te laisser. on a déjà loupé un tour de land. Ouais, on en loupe deux. Là, tu peux faire Fire, Spirale de croissance. Ouais. Il va rebooster ses fire, mais. Ah, mais il perd son Teferi s'il fait ça. Ouais, c'est vrai. Bon, après, on trouve vraiment pas de land du tout pour le Non. coup. Mais je pense que notre main à 6 avec le deck qu'on joue, elle est pas bien. Alors, Ouais, Mulligan à mais 5, c'est pas bien, Mulligan à 5, mais. c'était très dur, on commençait donc. Je pense qu'il fallait quand même la mulliganer, tu vois. Genre, si Ouais, on peut-être. cherche juste le meilleur play, les meilleures statistiques de win, deux landes avec une main qui fait rien, peut-être qu'il fallait la mulligan. Après, un troisième land suffisait, tu vois. Sur 3 draws, on en trouve 0. Bah, même pas, parce qu'en fait, tu commences à jouer à 4 landes. Même le troisième land, il te. Bah, si, on aurait. En Avec deux, le bon quoi. land, on pourrait jouer Teferi et du coup avoir une draw de Une plus draw de plus, pour ouais. creuser, tu vois. Ouais, je pense qu'on va Ouf, oh, concéder il a cette. discard sa main quoi. Bah là, il va trouver un De toute autre truc et il a les façon, on est talents. mort. Donc Hein. S'il trouve le moindre. Oh Bah oui, voilà. ah, il l'a trouvé. Sûr. C'est pas mal hein. Alors là, on a les disparks qui vont être extrêmement bien dans le match-up. Ouais, Et ça, donc c'est plutôt les cool. 4 Disparks. Ça c'est trop faible parce Ça prend que il a Clairon. Clairon. Après je sais pas s'il les laisse contre nous. Discutable. Qu'est-ce qu'on veut sortir déjà? C'est ça, la première question, c'est qu'est-ce qu'on sort? Je pense qu'il faut sortir les trucs comme Druides, de Paradis ou quoi.
Ah, ça fixe hein, quand même. Ouais, mais ça prend la disruption, quoi. Peut-être Wador aussi, non, tu vois. Franchement, ça paraît pas incroyable. Ouais, je préfère sortir Wador, ouais. Ok. Pour 4 suppressions étincelles. Et en vrai, Faut garder les si je litiers. rentre adjoint, c'est à la place de Teferi. Bah, tu vois, Teferi est pas incroyable, hein. Il a le mérite de bouncer Je peux faire Fire, 2-2. mais. Ouais, ok, compromis nul, ça me va. Compromis nul. Oh, en place, c'est compromis nul en ce moment. Hein. On les met fort. Hein. Bah, quand on sait pas, quand on n'a pas l'info de comment side du coup Hero, si encore on l'avait vu en table filmée pendant le MC7, on aurait On vu aurait pu voir un petit peu, ouais. son side, mais ça n'a pas été le cas, Non. donc on sait pas, quoi. Alors, bon, après là, pour le coup, on n'a pas fait une sortie du tout. On l'a pas fait de sortie en fait. Non, On a loupé un land c'était drop ou pas deux. impressionnant ce qu'on a fait. On va jouer en premier. Ça paraîtra beaucoup plus Ça. impressionnant. Ouais, on pourra faire spirale. Ah oui, Ouais, c'est bien. Spiral T2, content. Très bien, ouais. Hein. Essayer de trouver un mana blanc pour suppression d'étincelles. Ça pourrait être pas mal. Ouais, pour Teferi aussi. Suppression, ça prend tout son deck et ça le défonce. Et C'est on en a juste génial. 4. Et c'est une des meilleures réponses qu'on peut avoir à son cavalier bleu. Parce que du coup, il va pas le remélanger. Et ça, c'est très important. Oula, il fait double scry. Ah, il a déjà fait son scry, j'allais faire suivant. On aurait perdu On notre land aurait drop. juste pas joué. On veut un land. Ouais, non. Là, on veut que ça monte. Hein. On veut du blanc, on veut un land et on veut qu'il soit blanc. Ça paraît tellement dur de jouer ce deck-là. Comment il a pu builder ça, Yuku Hero, et acter de jouer ça au MC? Quand t'as. Ouais, j'allais dire quand t'as plus aucune échéance, mais si tu pouvais te qualifier au Worlds, donc. Ah bah ouais, il est plein d'échéances à jouer. Et puis même, je sais même pas s'il est pas dans les 12 rétrogradés. Je sais pas, j'ai pas. Ah, c'est au début de votre premier entretien, Je intéressant. suis pas au fait de ses performances, donc voilà, tu Alors vas là, me on fait détaper et tu ça. passes le tour. Fin de tour. On aurait, si on voulait pas On prendre a trouvé un land, c'est dispute, bien. je pense pas qu'il est rentré dispute contre nous, mais il y avait un monde où il fallait peut-être jouer en main phase à notre tour cette spirale de croissance. Ouais. Bon, ce qui n'est pas le cas là. On sera pas puni pour en tout cas. Surtout Rafale des Terres qui pourrait rentrer contre nous. En plus. Et du coup, pour ces plays là, on aurait peut-être dû le faire en rituel pour optimiser. Ouais, ça passe. Ça a engagé. Écoute, ça monte, On on va peut pas pouvoir jouer passer une TF. évasion un jour. Hein. Bon, on va juste jouer ça engagé, Ouais. De tranquille, et toute façon, fin de Tef tour. fait pas des miracles hein, dans ce match-up. Hein. Non, mais on aurait pu le poser, tu vois, le développer. Au moment où il était full tap. Ok, où sont Teferi? On va pouvoir jouer notre évasion. Et ça, c'est plutôt très très bien. Parce Ouais. que là, on lance la mécanique. Hein. Let's go. Hop là. Et on va pouvoir lander un land blanc, s'il vous plaît. Et Non. ben ce sera aucun land blanc, on va jouer un temple du mystère, peu Bon, importe. qu'importe. Par contre, on a victime de la guerre le tour d'après. C'est amplement suffisant pour Ouais. faire mal à S'il ce qu'il fait va nous fire faire. créature, là on le met au fond. On le Il va défonce. pas le faire du coup puisqu'il sait qu'on a victime de la guerre. On ne sait pas. On sait pas. Il le voit pas, tu sais, il joue comme ça. Ouais, il le fait pas. Je vais quand même faire victime de la guerre. Je vais faire feu de l'invention, victime de la guerre, je crois. Ouais, ça me va. Il Il a peut sûrement contrer. Aethergust, je pense. Dispute mystique, c'est pas mal. Je pouvais pas lander Non, pour pas me tu prendre pouvais pas tourner dispute. autour. Et ouais, donc dans tous les cas, je perdais le spell. Ouais, c'est pas très Temple grave. du mystère ou pas? Ouais, je Ouais. pense. Ah, du mana blanc, très bien. Ça, on garde. On a quand même une main qui est clafie, encore une fois, pour Ouais. utiliser ce terme incroyable. Denive-Mizzet, évasion de Riffriche, suppression d'étincelle Teferi. On a eu du mal à trouver ce mana blanc, par contre. Un peu, ouais. On a envie de trouver nos fabuleux passages pour trouver les basiques qui nous manquent. Alors ça Cavalier bleu. prend suppression d'étincelles et ça le prend très très bien. Ça va même prendre mieux, ça va prendre évasion dans les friches, suppression d'étincelles. Et ça c'est pas rien. Ça, c'est vraiment bien, même. Ouais, le Je vais plaisir. d'abord faire évasion. En ne payant pas avec le mana blanc et le mana noir. Bah, je vais pas poser le mana blanc. Oh là, ça paye Eh, mal. putain, ça paye toujours très très bien l'auto-tap, Ça hein. paye toujours très mal. Voilà, C'est là dingue, c'est hein. bon. Tu peux pas jouer Teferi si jamais tu séquences comme ça et t'as pas besoin de payer avec Mais ton bleu Teferi, je normalement. pourrais GK mana blanc, donc. Ah ouais, donc tu peux pas, tu feras l'un ou l'autre. Ok. Ok, ça va. Ouais, c'est ça. Ok, je peux double lander, donc je vais faire Ouais, on va double ça, lander. ça. Ça, ouais. Tu peux Je vais faire Druidess dans suppression. Druidess et suppression. Ok, c'est pas mal.
Et Niv Mizzet bloque bien aussi les futurs cavaliers qu'il pourrait avoir Ouais, parce récupérés dans que sa main. c'est 6-6, donc ça trade les cavaliers bleus et ça. Enfin, ça bloque les cavaliers bleus et ça trade les cavaliers rouges. Ouais, c'est bien dommage qu'on n'ait pas trouvé Fire ici. Ouais. Teferi est à 7 en face, il peut bouncer pas mal le truc. Ouais, après, On si. peut Niv-Mizzet tour prochain, Est-ce que on tu as peut envie de également bouncer des Krasis. Niv-Mizzet? Je sais pas. Ah non, on pourra plus Krasis. Le Si, tour on vient de prochain? le faire Ouais, là. Ah ouais, donc on peut Krasis. on va sûrement Krasis même. Ouais, on va faire la plus grosse Krasis du compto, je crois. En plus, il a Bounce, on la récupère dans la main, donc c'est très bien. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. oh bah Donc Krasis. je vais l'en engager. Et Krasis. Ou je peux aussi Teferi, faire une Krasis un peu plus petite. Mais au moins j'ai Teferi. C'est pas mal, non? Ok, ça me va. On n'est pas obligé de piocher 5 cartes dans le spot, Ouais. donc ça me va. Donc je peux faire ça là. Bouncer son caca. Ça dégage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu 7, fais une Krasis à 8. 6. Donc je Mais paye du 2 coup, pev. bah perce le land, hein, au pire. Ah ouais? Bon, c'est pas très grave de Je peux faire perdre. gagner 2 pev? Ouais, je pense. Ok. Krasis. Hop là. À 6. C'est pas très grave Ouais. de dire au revoir à ce land-là, on en a encore d'autres dans la Non, main. c'était pour lui cacher une information, mais effectivement. Vu qu'on pioche, en plus, c'était plus intéressant de s'enlever un land. Ça évitait de défausser. Ah non, c'est mieux là. On a la main. Elle est pas Franchement, mal s'il là. arrive pas à nous one-shot, il va avoir du mal. Hein. Déjà, il trouve pas ses fire, et ça, c'est une bonne chose. Ouais. Voilà, pareil, on va le victime de la guerre. Et on va lui couper. On peut pas lui couper une couleur, donc on va aller dans un bleu-rouge. Ça, c'est aucun problème. Bah là, je fais fire. Hein. Ouais, fire dans victime. Et c'est bien. Tu peux même le faire. Non, on peut pas le faire fin de tour, j'ai des conneries. Il a aussi un Teferi en face. Une créature, un terrain, Terrain, un un Planeswalker. Planeswalker, ouais. L'enchantement, on n'a pas envie de se le tuer. On Ça. aurait pu vouloir se tuer nous-mêmes notre Fire pour pouvoir jouer Niv-Mizzet Ouais. derrière. Il a beaucoup. Il lui manque du blanc. C'est Attends, ce qu'il a le moins. est-ce que tu veux tuer ton Fire pour jouer ton Niv-Mizzet derrière? Bah, ça sert à rien, je viens de le poser. J'aurais pas dû le faire du coup. Ah oui, on C'était con. pouvait. Ah oui, Bah, j'ai du juste coup, ouais. perdu 4 mana si je le casse maintenant. Ouais, donc c'est pas bien. Donc, C'est pas bien, je pensais pas que ça nous. celui-là. Hein. Non, le bleu-rouge. Bah, en fait, le blanc, c'est ce qu'il a le moins. Ouais, mais C'est non. la seule couleur que je peux Ah, attaquer. il a jamais besoin de blanc. Ah ouais? Attends, annuler alors. Tac. Ouais, c'est pas grave, je pense qu'il Créature, faut juste terrain, réduire ses Planeswalker. sources dans le cas où on ait des multiples de. Ok, donc bleu rouge. Ouais, bleu rouge, ouais. Hop, et Planeswalker. Et ça, c'est pas mal. Bon, le tour d'après, s'il nous laisse feu de l'invention, on va pouvoir commencer à faire Niv-Mizzet et trouver peut-être encore une Bah, de toute victime de façon, la on a guerre tellement de ou. mana, même s'il laisse pas feu de l'invention, c'est pas grave. Oui, c'est sûr, c'est histoire de proposer plein de plays, quoi. Mais peut-être qu'on n'aurait pas dû fire, au vu du mana Effectivement, qu'on a maintenant. vu qu'on pouvait Niv. Bon, bah. Après, je crois qu'on voulait pas Niv. On piochait des cartes, on allait se défausser. Ah, tu trouves que 2-3 cartes, hein, pas plus, hein. Ouais, c'est vrai. On n'est pas obligé de tout prendre aussi. En plus un. Je fais quoi, Fire ou je fais Niv là? Si tu fais Niv, il reste combien de mana? Est-ce qu'il reste assez pour une casualty? C'est ça la question. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, il reste pile assez, mais Oui, ça ça paye pas paye assez mal, bien. mais on peut. Alors, blanc, noir, rouge, bleu, Vert. vert. Et il reste assez pour casualties, aisément. Écoute, on mettra ce feu de l'invention à profit peut-être plus tard. Bon, voilà, Ouais. il concède. Out value. Ouais, en plus, il a concédé avant que je ne joue le spell. Hein. Donc, j'aurais pu ne pas lui montrer une visette, même Ouais, s'il mais doit il se sait que douter. t'as une main à 7 avec 15 landes, enfin, Ouais. c'est impossible pour lui de Bah, le revenir de set, c'est ça. bien, je crois. Enfin, je sais pas s'il est bien, mais j'ai rien envie de changer. Ouais, je suis pas persuadé qu'Adjoint ça soit si bien que ça, mais j'ai un doute sur le fait que Teferi soit incroyable aussi. Ça bounce Fire de l'invention, Alors, mais. ça aussi, ça bloque tout son deck. Voilà. Peut-être qu'il faut enlever les adjointes et que les Ceratops sont mieux. Je mettrais 4 Ceratops en vrai là. Non, je pense Ça pas. bloque tous ses cavaliers. Hein. Ouais, mais bon. Et ça trade les bleus gratuits. Quand même, ça paraît quand même. Ah, mais Teferi, ça bounce aussi. Moi, j'aime bien Teferi. Je Ouais. cutterais peut-être dans Khanriss, tu vois. En vrai, il nous sert à quoi ce Khanriss dans ce match-up? À Ouais, faire on un peu s'en de value cague. ou Non, quoi, t'as mais. raison, on s'en cague et on met 3 Ceratops. Ok, vas-y, go, Et Amba. go. Ah, ça me ferait plaisir de la voler celle-là. Ouais. Tiens, on te ship la On game. prend. Et comme ça, on comprend comment Kenyu Kuhiro il a abordé le. Oh, c'est beau ça. Parfait. Comme ça. Faut juste du mana noir, mais ça viendra. Perfecto, comme dirait Mengucci. Je crois qu'il dit jamais ça. Il dit bonjour.
Oh, ça commence à faire un par contre. Ouais, ça va, ça a monté quoi. Il a dit je parle français et en fait il parle pas. Après, on lui a parlé, il a dit non, je comprends pas. Attends. On pourrait trouver des landes parce que sinon ces spirales c'est juste droit pour Après, deux. on va en trouver, je pense. J'espère. Genre là, un land, s'il te plaît. S'il te plaît. En Parfait. plus, on a toutes les couleurs là. Fais plaisir. Oh, j'ai envie de balancer le Bah, Ceratops là. Fire dans Ceratops. Ah non, attends. Attends. Est-ce qu'il faut le remettre à plus tard? Ce Parce que là, feu. je peux aussi lande d'étape et j'ai spirale et suppression étincelle. C'est peut-être mieux, je crois. C'est à lui de Ouais, je crois bouger. que c'est mieux. On va le laisser bouger, on va le cueillir, et nous derrière, Exactement. on va lui montrer ce que c'est que Ah faire un ouais. tour puissant. Très très bien. Ça va être bon ça. Ah bah non. Eh ben C'est non. pas grave, hein. On va Bah juste. non, on peut On double va juste spirale. Ah non, spirale, je ouais. peux juste faire une spirale. Tu peux qu'une. Eh ouais, on a qu'un bleu. C'est pas très grave. Ah. Ouais, on a compris là. Commence à faire beaucoup. Ben on va pareil, patienter, Ouais. refaire le même play, hein. On se sculpte une main. Par contre, là, quand il va commencer à jouer des trucs, on va faire. Ça s'arrête là tout de suite. Comme un écureuil. J'ai peu vu d'écureuil dans ma vie, donc je sais pas si ça fait vraiment ce bruit-là, mais. Y en avait sur le chemin du Gépelion. Ouais, mais j'ai pas entendu, tu vois. Ouais, c'est vrai. T'es pas approché. Il t'a pas susurré à l'oreille. Par contre, les landes, jamais. Ouais, c'est un peu chiant en fait là. Là, je Mais pense qu'il faut bouger. y a un greedy play. C'est Teferi trouver le land. Teferi bounce dans le vent. C'est nul, hein. Bah ouais, mais je fais rien d'autre, je lui laisse faire toute sa vie. Si je fais pas Fire Ceratops, c'est pas ouf, hein. Je préfère lui donner un Fire à bouffer. Vas-y, donne-lui un fire à bouffer. Tiens, mange. Tiens, Euro. Ça fait plaisir. Voilà, Voilà. très bien. Ouais, GG, bien joué. Donc celle-là, il va développer les trucs, genre ah, et puis nous on fera ah, exilé. Après, s'il développe deux trucs, on en exile qu'un, nous. Ouais, mais il peut développer que Fire et un truc. Et du coup, on va juste. Bon, franchement, ça me va. Ouais. C'est petit bras, ça. Ah, bah, il y a des landes dans ce deck. Ah bah, tu peux mettre 5 points à Teferi. Ceratops, go. Oh! Ça vaut le coup, hein. Oh, j'y vais. Ouais, tu y vas. Ouais, tu y vas. Ah, j'y vais. Allons-y, quoi. Allons-y. Ah, il va rien y faire à ce Ouais, Ceratops. t'as beau Ah, si, il chercher. pouvait. Dispute mystique. Non? Non, mais c'est Après, le le mec, il les boss. laisse, quoi. Ah, bah Je vais oui, lui donner bah, la donne-lui portée, la du coup. portée, tiens. Le pire effet. Oh, le boss en face, quoi. Oh, t'inquiète. Je vais lui mettre Un une land et victime on de la le guerre, là. victimise, quoi. Ah, parfait, vas-y, donne-nous encore. Donne-nous du blé à moudre. Ah non, mais on tue plus Teferi, putain, c'est horrible. Tu peux faire Teferi, suppression d'étincelle. Franchement, ça vaut le coup. Je peux pas faire ça. Pourquoi? J'ai Aïe, qu'un blanc. il manque. Ah, papa. Je peux tenter Fire suppression. Ouais, ou tu peux tenter Fire Ceratops. Bah Ceratops c'est nul, hein. Il a Sphinx donc. Bah ouais, mais c'est du coup, lui, il t'attaque pas. Bah si, enfin. Pardon, sur anti-bet. Excusez-moi. Il va nous attaquer. Je préfère, enfin si je fais Fire, je gère ça. Ok, vas-y. Je tente. Vas-y. Bah oui, là, attends, il peut En pas fait, il tout peut pas avoir. avoir contre et into Fire cavalier, je tue, tu vois. Genre s'il fait ça, c'est dingue. Après, il peut tout avoir, hein. Attention. Il peut tout avoir, mais il serait très fort et dans ce cas-là, on serait battu par la machine. Ok, contre. Bah ouais. En fait, moi, c'est sûr ce qu'il va faire maintenant. Il la laisse au-dessus, attention. Il Ouais, va au c'est moins qu'il 3. trouve un cavalier, je pense, hein. Ah non. Pas de Ah, ça fait cavalier. plaisir. Il y a un moment, il n'y aura plus de contre et c'est la victime qui part. Hein. Donc ça fait mal. Ah, il a peut-être laissé Chimera of Possibility pour trouver un truc bien. Ah, Ok, vas-y. un mana blanc, Victime. ça ferait Ah, très plaisir. victime maintenant, quoi. Ah, tu préférais faire double suppression? Ça dépend, si tu peux faire victime de la guerre, c'est mieux, mais. Double suppression, c'est bien quand même. C'est ouf de se battre comme ça pour avoir des landes, quoi. C'est tellement malheureux. Là, je dois exiler le cavalier bleu. Hein. Ouais, t'as pas le choix et on fait rien d'autre. Et on est mort sur cavalier rouge. Ouais. Il pioche tellement de cartes que. Ah, on Ah, n'est je pas mort si tu fais peux. crasi ça. Crasi ça 1 pour Je survivre. crois que ça vaut le Ah, de coup. toute façon, je galère à trouver des landes, donc. Ah, mais il peut bouncer. On s'en fout en fait. Ah oui, donc c'est pas bien. Lol. Non, annulé, voilà. Eh ben, c'est dommage de perdre parce qu'on trouve pas nos landes. Ouais, on en joue combien? 28? Je sais pas combien il est, il doit être à 27-28, ouais.
S'il a à 26, c'est lui qui fait une erreur. Hein. C'est son build qui est trop greedy. Pour tout ce que veut faire le deck. Ah bah avec des spirales en plus. Ouais. D'un côté, les oies dehors, je sais pas si à quel point ça impacte. Ouais, moi je pense qu'il fallait les cutter dans ce matchup là. Ça prend les boons, ça prend les clairons, ça prend tout. Pas fou quoi. On tue toujours pas. Hein. On est encore vivant là. Hein. Mais il a trouvé beaucoup de réponses, donc c'est vrai qu'il pouvait pas non plus avoir. Putain, toujours pas de land quoi. Ouais, toujours pas mort, étonnamment. J'ai exilé, hein. Bah ouais. Et tu vois, Turines de paradis. Oh, et tant qu'il n'y a pas de. Tant qu'il n'y a pas de cavalier bah rouge. Là, on meurt sur Géant Gragos, donc commence à être facilement létal. Probablement des side-deals, Géant Gragos. Il va peut-être. Ah non, il n'utilise pas le château. Je pense qu'il les a plus, les Géant Gragos. C'est vrai. Ouais, c'est une menace tous les tours. Et là, on est mort. On peut pas victime de la guerre sur ces deux bêtes. On peut Krasis à 2 et suppression d'étincelle. Ce qui nous fait vivre. Non, il y a Teferi. Ouais, mais. Ah non, et on peut pas attaquer. Si on pioche un land, on est vivant. Ah ouais, mais c'est un land qui nous tue, qui nous met du mal. On peut Teferi Boons, victime de la guerre. Teferi. Boons. Suppression d'étincelle. Suppression d'étincelle. Ouais, bah je tente. Hein. C'est dur. On va au bout. C'est très dur. Le Boons quoi? Ça? Ouais, je pense. Ouais, c'est l'autre qu'on a envie de suppressionner. Ça ne se dit pas d'ailleurs. Supprimer. Ouais. Mais c'est beaucoup plus drôle de ouais. Dire suppressionner. Ouais. Réactionner. Franchement, on vit. Hein. Je paye deux ou pas? Ouais, vas-y. Hey mec, oups, oups. Ah, mais il va bien trouver un cavalier rouge et, ouais. Et on va juste en mourir, quoi. Peut-être qu'ils avaient décidé. Du coup, ils n'avaient pas décidé, c'est Géant Gragos. Fuck, vas-y, relance, pas grave. Par contre, mon rang mythique, il prend des 6 francs. Il prend comme des ça. 6 francs 60. Hein. 6 francs. En plus, plus t'enchaînes les défaites et plus ça va dégringoler. Donc là, on joue pas le bon deck pour ça. Effectivement. Mais c'est pas grave, parce qu'on va la gagner, celle-là. Ah ouais, j'allais te dire, viens, on change de ladder. Non. Eh ouais, mais je suis deg. Mais t'es déjà qualifié? Ouais, mais j'aime bien. Ah, ok. Ah bah je peux quitter la game si tu veux. Non, on va jouer contre JR2. Tu sais quoi, on va la gagner. Mais non, mais si on quitte la game, c'est pire. C'est juste une défaite. Ah, jeu. Je crois que c'était annulé avant qu'on... Non, non. Mais ouais, non, ça avait déjà tagué. On va jouer en premier. C'est... Fait Fire, non, donc Henry. C'est pas bien, on a 12 accélérateurs. Ouais, faut mulligan là dans les accélérateurs. Je peux pas mulligan, donc... Je sais pas si tu peux pas mulligan tout à l'heure. On a gardé une main comme on ça qui était naze. Hein. Bah, moi je l'aurais mulligan. Après, je suis pas persuadé. Ouais, je préfère. Ok. Et j'enlève passage merveilleux peut-être. Quoique. Attends, oula, tu vas oula. Bien vite en besogne. Et c'était, ah peut-être, bah, pas, c'était peut-être pas passage merveilleux. Tonton laissait penser que c'était bon. Donc je me suis dit, ok. Non, mais en vrai, c'est bien. On garde le fire. Ouais, mais passage, il nous donnait la couleur qu'on voulait pour plus tard. Tu vois, il nous donnait de la sélection. Ah, mais on a fire donc. Ouais. Donc on s'en cague l'œuf. Ouais, enfin, tu sais ce qu'ils en font les gens des Fire. Hein. Bah lui pour le coup il fera rien. Mais on le savait pas qu'il nous y fera rien. Non, c'est pour ouais. Ça que je de toute façon si tu joues en te disant que ton Fire sera cassé, faut pas jouer le deck. Mais si, je pense que... Ah, attends, Yukuhiro il l'a prévu pour vivre même si on casse ton Fire quand même. Ouais mais bon, Yukuhiro il a pas fait un très bon score. En tout cas par contre, ce que lui fait, ça on bat pas. Et on a pas de clairon, on a rien donc... On battra un peu après ça peut-être. Ouais, peut-être. Ah, Dolzimir, ça va bien aider. Très bien. Ouf. Au moins, on les a, les Fire. Bon, ils sont là. Le troisième. Ah, c'est pas mal, ça, si on trouve un land. Tu voulais pas... Ah, oh, tu voulais faire double play? Parce que le problème, ce qui était bien de faire Fire maintenant, c'est qu'on avait évasion plus un play. Ah ouais, merde. Bah, dans ma tête, c'est... j'économise deux PEF, comme ça, je ferai Fire évasion, mais... Ah, effectivement. Plus proactif, je pense, de Fire directement. Ouais. Merde, ouais, j'ai mal joué, tu vois. Je voulais économiser des PEV et... Ouais, mais ça s'est retourné contre nous. Alors attends, qu'est-ce qu'il peut... Là, il peut nous faire engeance. 16ème du ladder, hein, JR2. Ouais, s'il nous fait engeance, là, on n'est pas bien du tout. Ça, pareil, on n'est pas bien. En fait, quoi qu'il joue, on n'est pas bien. Donc là, je fais Fire. Fire dans évasion, ouais. Temple. Évasion. Mais est-ce qu'on n'est pas mort le tour d'après? On veut ça ou pas? Ça bloque c'est bien, bon bloquant, ça. Hein. Ouais, ouais. C'est bien.
Alors, le tour d'après avec deux spells, en vrai, si on n'est pas mort, Je garde ça. Hein. double victime, ça doit pouvoir faire le taf. Hein. Ouais, je pense. Ouais. Par contre, on prend 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on est à 3. S'il a Humber Cleave ou n'importe quel boost, c'est Il fini. peut pas jouer Mercure. Là, il peut pas Humber Cleave pour l'instant. Il peut juste booster son chevalier. Ouais, j'ai compté les points de chevalier pour nous faire passer à 3. Le mieux serait qu'il développe quelque chose. Il le fait pas. Ouais, il Oui, booste il a son raison. cavalier. Et ça nous tue en fait, parce que même avec double victime de la guerre, On lui laisse une bête on lui qui laisse nous une tue. bête. Donc du coup, il faut plutôt. Et en plus, on peut pas cibler Jean Krakos. Alors ça, c'est aucun problème. Il faut qu'on trouve autre chose du coup. Qu'est-ce que ça peut être? Bah en fait, y a rien. Niv qui trouve quelque chose. Attends, faut réfléchir. En fait, ça, on sait que ça suffit pas. Ouais. Donc il Et faut évasion dans les absolument. friches, on peut trouver quoi avec ça? C'est dommage qu'on ait eu que 3 couleurs sur les 5, parce que sinon on pouvait faire victime, victime, je casse ça, et on fait un play. Et on peut avec notre évasion faire ce play-là. Et on fait Ouais, mais. évasion dans un. Et on peut trouver, je sais pas moi, un random bloqueur, tu vois. Mais il faut Ouais. d'abord faire victime dans victime et évasion après. Mais un random blocker à un mana? Ah ouais, il faut Mais Wador. ouais, Wador ou Druidesse de Paradis, mais ça Ok. marche, hein. Oh ouais. Allez, on va tenter. On détruit créature et terrain. Donc créature, ça. Terrain, ça. Du rouge. En tout cas, le play, Je peux si. pas cibler ça sinon je meurs. Ouais. S'il marche, il Enfin, je suis est à 1. un petit peu sweet, tu vois. Et victime, tu Hop, pètes. victime. Donc là, tu pètes trois trucs. On cible ça. Ouais. Enchantement du coup, oui. Et Et mana ça, rouge. yes. Et maintenant, il On faut fait chatter. évasion dans les Alors friches. ça paye mal. Parce que si tu trouves voie d'or et Ouais. zéro vert, c'est C'est bon. l'enfer. Oh là là, le bois dehors qui est trouvé. Je peux sinon faire ça, c'est mieux. Ouais, comme ça on prend pas. On prend pas d'anti-bête quoi. Ouais. Et on est vivant! Pouf. Ah, je peux encore lander. Ouais. Bon, je vais pas mettre Wador par contre, je l'ai mis engagé. Et on a perdu quoi là? J'ai pas vu. Niv-Mizzet et Fire, ok, c'est pas grave. Bon, on est quand même mort, mais tu vois, c'est un play de survie qui est pas mal. Ouais. On est encore vivant. Ouais. On On bounce. fait. Ah, on peut pas jouer Teferi, merde. Il nous a manqué une couleur encore une fois. Serait-ce un deck de peace? Non, mais on n'est pas mort là. On est pas mort, mais bon. On veut pas ça. Si? Ouais, moi je l'aime bien ce deck. Non, on veut pas ça. Ouais. Je l'aime bien ce deck. Alors, Bah, j'aime bien le il deck, est mais faible pour franchement, du ladder, mais je l'aime bien. Je pense qu'on joue de malchance. Ah, mais non, on est mort. C'est bon. Attends, Et on on n'est pas prend un. mort. Ah non, en sacrifiant la Eh foudre, on est ouais, pas en mort. sacrifiant la foudre, on n'est pas mort. Attendons, attendons, parce que là, tu top deck Krasis, c'est GG. Hein. On a gagné cette game. Et remontada de ouf. Hein. Là, on est mort. Là, on est bien mort. Yes! Passons à la 2. Mais c'est pas grave. Alors on rentre adjointe à la place des Teferi qui sont nuls. On est vraiment nul, hein. Paf, dégage. Et les Lokenris. Qu'adjointe, le Kenrit, Et les. Tolzimir de Voilà, et sûr. c'est tout. Et tu veux des Ceratops ou pas pour bloquer? Non, 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 je pense Non. pas. Du coup on enlève Victime, c'est pas ouf contre lui. Ouais, c'est même voire pas bien du tout. Niv-Mizzet, on peut en enlever un aussi. Trop lent et. Qu'est-ce qu'on peut J'enlèverai enlever une de lent? victime de plus, hein. On a vu que franchement. Ouais, une autre victime de la guerre. Enfin, il a fallu faire un truc de Même en l'espace faisant pour un play espérer vivre, ouais, quoi. de dingue, Ouais. c'était juste bof quoi. Mais franchement, on top deck Krasis, on gagne cette game. Je bend. On est en mulligan à 5 aussi. Avec double C'est fire dans la main, vrai. ça n'aide pas. Contre un adversaire non permissif. Ouais. Mais Mais vraiment vraiment, il permet pas du pas tout. du tout. C'est vrai qu'il y a un monde où on faisait juste tour 5, Niv-Mizzet, je te mets un énorme bloquant et victime de la guerre, tu vois. On était là. On est bien, hein. Mais et notre évasion dans les friches, trouver une Krasis, on avait gagné aussi. Hein. Tu vois, Oui aussi. on était pas loin. Franchement, on n'était pas loin. Contre JRR2. Et lui, il aurait été. Waouh! Ouais, il a fait wow. Let's go. Joue en Ouais. premier. Ouais. Ouais, Bon, je garde. c'est très bien. Est-ce que c'est une référence à Tolkien? Parce que je crois que Tolkien c'est JRR Tolkien. Et là, JRR2, tu vois, je sais pas. Ouais, c'est fort probable. Bien vu. Temple of Mystery. Ouais, je prends. Comme ça, on peut faire Druidess tour 2. Et si on fait Druidess, est-ce qu'on préfère ça ou Druidess? Je pense qu'on préfère Druidess que ça nous Ouais, offre Adjointe et Kenris. je vais chercher des landes là. Ouais. Ou Fire. On n'est pas mort.
On n'est pas mort. Il joue vraiment la Chandra. Lui, il signifie l'agression ah ouais, c'est directement vraiment, quand même. Quelqu'un de très méchant. Ah, on peut gagner des PV avec notre Wador. Et en plus, on a un bloquant qui empêche Drillbit. Non, mais je préfère Druides parce qu'il attaquera pas. Pourquoi il attaquera pas? Parce que sinon, je trade son chevalier. Ah bah, il va le prendre le trade tous les jours dans notre deck. Ah, et nous, je on le est pas pense pas, content. Moi. Moi, franchement, ça, c'est une machine à tuer plus tard. Il donnait juste pour essayer de mettre un point. Moi, je pense qu'il attaque et qu'on va devoir trader hein, si jamais tu fais ça. Mais je peux accepter Mais ce play-là si tu penses que c'est une bonne ligne. ça, en fait, ça prend Géant Krakos aussi, donc. Ça, je suis d'accord. Il y a des upgrades aux deux. Mais en tout cas, s'il attaque et qu'on trade, je suis pas sûr que ça le mette plus mal que nous, ça Tu nous met mal. préfères Wador? Moi, je préfère Wador parce que au moins, on est sûr de pouvoir caster notre adjointe plus tard. Ok. Donc je mets ça Ou engagé. alors, tu peux décider de Hop, mettre hop, Druides de hop. paradis. Mais par contre, dans ce Là, cas-là, j'ai plus le je temps pense là. qu'il faut pas bloquer. Oh bah attends, j'ai plus le temps là de réfléchir malheureusement. Ok, Non, mais Wador. ça me paraît être plus sécuritaire comme ça, quoi. Ouais. Il attaquait vraiment que sur Drillbit, je pense, par contre, pour la druidesse. Hein. Je crois pas, hein. Je pense que quand tu Ah, vois nos c'est deux. pas bien, chevalier, tu penses? Bah, à côté de Druides dans notre deck, franchement, Bon, il on perd tous bloque les jours. Hein. le champion du coup. Et là, on prend quand même Drillbit par contre. Ouais. Pire scénario. En contrainte, ça enlève rien. Ouais, je pense qu'en gros, dans son deck, les chevaliers sont beaucoup moins importants que pour nous, cette Druides. Ok, là je fais Temple Druides. Ou tu veux que j'adjointe quelque chose? C'est difficile. Druides, ça nous amène Khaenris le tour d'après. Mais. Et c'est pas malin quand même. Ouais, ça Ça doit être nous amène mieux. Hein. Niv aussi, pour Ça d'après. doit être mieux, du coup, ouais, je pense. Hein. On peut encore se donner le temps de voir ce qu'on veut faire avec cette adjointe. On n'en a pas besoin de ça. Non. Parce qu'on a blanc, rouge, bleu. Enfin, rouge, vert, bleu, noir. Ok. Par contre, là, je sais pas si je bloque champion. Il peut avoir Rimrock Knight. Je crois que Chevalier, c'est sûr qu'il faut le laisser passer. Par contre, Ah, je crois que je prends 3. Je prends pas de risque. Bah attends, Si je bloque. qu'est-ce qu'il peut jouer en fait qui permet de mettre un de plus? Ah, mais non, mais si je peux bloquer. Je pourrais jouer Niv dans tous les cas. Ok, donc ça vaut le coup de bloquer. Non, en payant 2, mais bon. Ok, Par en gros. franchement ça va. Qui dépense un parangon sur ce toit d'or, Ouais. j'accepte. Ce toit d'or. C'est un toit d'or. TPE. Et Niv. Niv, c'est mieux que Khaenris ici. Bah, Kenry, j'active pas ses capas, donc si je lui donne et Ok. qu'il le tue. Ça va pas abuser là. Ouais, mais c'est pas trop grave en vrai. T'as quand même un bloquant qu'il ne passe jamais. Et derrière, on a double play impactant. Faut juste pas qu'il ait de quoi tuer Bah. cette druidesse. Je vais pas bloquer ça avec Niv. Si, je pense. Bah, du coup, ils veulent passer, ils veulent le one shot là. Oui, mais nous, on va emporter une bête Ouais. emmerdante, quoi. Sinon, je bloque ça, hein. Tu peux bloquer sinon la 3-1 en vrai. Si il te met que 4, c'est worse aussi. Hein. Ouais, c'est un point de dégâts de plus, chevalier, mais je garde ma bête. Non, c'est bien. On est en train de vivre. Et ça, c'est pas Et rien. ça, c'est pas mal. Ça, par contre, c'est Ça, c'est très, très très, chiant. très chiant. On peut plus adjointe. Et on pioche encore une adjointe. Ça fait trop laid. Je tente ça maintenant. Ouais, je pense, ouais. Il faut trouver notre terrain. Non, c'est trop cher. On pourra gagner des pèves et on tient son board en respect grâce à Niv, ce qui est quand même pas trop mal. Ouais, je suis étonné qu'il attaque pas. Ah bah il a payé 2, ouais, donc il pouvait pas attaquer. Là, il va attaquer. Et écoute, il va nous mettre 4, je crois. Ah ouais. Bah au Franchement, moins. s'il fait ça, il développe rien, on n'est pas bien. Hein. Nous, on cherche nos landes, quoi. Alors qu'au moins, je tue ça. Ouais. Ça, il le gère mal, normalement. De toute façon, là, il faut trouver du land, du mana blanc. Ok, vas-y. Est-ce qu'on gagne 3 PV en fin de tour? Ouais, je pense. Ok. Ça sert à rien, sinon. Enfin, Ouais, au foot, ça sert à on rien n'a dans pas le de deck, Wicked quoi. Wolf, donc. Ça sert si on trouvait une goose, mais elle va elle-même refaire son foot, donc ça c'est Yes. très très bien ça. Oh que c'est bien pioché ça. Il faut vraiment être chaud pour jouer. Enfin, pas être chaud, mais être. Il faut se sentir de ramener Ouais, ça quand on même joue à adjointe MC. là. Hein. Ouais, ça sera quand même mieux que Khaenris, ouais. Et on pique ce parangon. Ouais. Hop là. On en a plein de toute façon. Il sait qu'on a deux. Faut avoir envie de galérer pendant tout ton tournoi. Ouais, c'est vrai. C'est fou, hein. Franchement, moi je déteste les decks où tu te bats contre toi. Après, t'es pas censé jouer des decks aggro, donc t'as le temps de te battre contre toi-même pour battre ton Oui, adversaire c'est vrai après. qu'il n'y avait aucun deck aggro au C'est. MC, donc. Bah écoute, là ça fait ça dans Adjoint, je pense. Hein. Ouais. Alors on les joue pas en éphémère parce qu'on veut trouver nos terrains, évidemment.
Et est-ce qu'on cible pour prendre 2 pèves? Ouais, mais on a double On prend pas de bloquant. pev. Ah, c'est une capacité, donc on Ouais. prend pas 2 pèves, effectivement. C'est vrai qu'en pionnière, quand tu balistes un géant, tu prends pas 6 pèves. Tout, 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 tout. Ah, je suis mort, merde. Horrible, quoi. Les balistes sont pionnières, elles font ça. Oui. Oh, bah toi, une nouvelle cible à adjointe. Nickel. Mais pourquoi il sait qu'on en a une à chaque fois? Ah, mais il a fait contrainte, je suis con. J'étais en train de dire, mais comment il sait? Chaque fois, on n'a pas joué les bonnes et le jeu l'a pas caché, tu sais. Et Druides, et là derrière, on a un énorme Khaenris et il bat plus jamais Khaenris, là. Bah, Khaenris résolve, enfin, qui passe un tour, c'est 10 points de vie gagnés derrière. Donc, Mais là, est-ce qu'on peut même pas Khaenris? Ah, sur un land, on fait Khaenris et 5 pev. Quand même déjà pas mal. Non, il nous manque. Ah, si, avec Druides, ouais, effectivement, ouais. Et on a un Iv-Mizzet au cimetière. Je précise. Présentez-vous! Il peut se passer des trucs là, attention. Hein. S'il a pas Humbercleave, franchement, il nous bat Oh, plus. il nous a bait pour pas qu'on chope croisé. Bon, bah, temple. Ouais. Temple Kenrit en vrai. Carrément même. Voilà, il va piocher quand même deux cartes pour trouver. Pour trouver tu sais quoi. Avec tu sais qui. Vous savez quoi? Avec vous savez qui? Par contre, moi je peux mettre un petit marqueur à Kenris et bloquer ses croisés points de tempête. Oh lolo. Pas d'Humbercleave et on gagne cette game. Bah, même un Murkliff là, ça nous met pas trop mal. Hein. Non, c'est sûr. Ça lui donnera envie d'être un peu aro, quoi. Moi, j'aimais Ouais. bien couper son. Ah Ouais, bah il va oui. arroter. Hein. Voilà, il a Humbercleave, on va pas se mentir. Alors, quels sont les meilleurs blocs ici? Alors, passer en bloc. Déjà, ça. On veut rendre. Non, ça. Qu'est-ce qu'on veut rendre en fait? On veut pas rendre la 7-6. Ah, Et bah. ça, on peut le rendre. Ah, bah, du coup, on peut rendre le 3-1 alors. Le 3-1 là-dessus. Ouais. Et Et on peut donner Khaenris qu'on en a un doublon dans la main. on peut Pour donner faire Khaenris. Khaenris et Druides. Et Druides, ouais. Et là, du coup, s'il passe Humbercleave, est-ce qu'il trade les deux? Je crois Et pas, je peux il est aussi double 4. bloc ça, sachant que je peux mettre un marqueur avec Khaenris. Ouais, donc c'est pas mal. Et tu double bloques l'autre. Et là, ça lui donne quand même des Bah. plays assez chiants pour le coup. Là, tu peux pas faire ça. J'essaye aussi, c'est pas Ça possible. marche plus? Ok, Non. ouais, c'est très bien. Ah, ça marchait un moment? Ouais. Bah écoute, le jeu a jamais voulu pour Ok, moi. donc. Ouais, je sais pas si c'est optimal, mais c'est pas exécrable en tout cas. C'est pas dégueu. Il faut qu'il ait plein de plays dans la main pour nous mettre mal. C'est pas sûr, quoi. C'est pas un deck qui a plein de plays, tu vois. Après, s'il fait Rimrock, Humbercleave, tu vas dire, bon, Non, en bah, plus, les versions chier, jouent quoi. même plus Rimrock, donc. Ouais. Donc S'il si fait lui. Humbercleave, il a Ah mal joué. bah, t'es trop fort. Bah, déjà, tu triches. Ah, tu peux double Humbercleave hein, si on compte la première, non? En phase d'attaque. Oui, mais on contrôlera pas. Donc, Non. s'il en fait deux, là, c'est bizarre, quoi. Et les deux restent, c'est. Alors, il veut tuer ça. Et Enfin, tu peux booster, hein. il met deux, donc je vais dire ok pour l'instant. Ok. On passe en phase. Ok, donc je vais mettre un marqueur là-dessus. Ah, il est deg. Oh, il a pas vu celui-là. Oh, il a rien tué du Mais on coup. a. What? Mais pourquoi il a pas tué la Parce que là, en plus, noblesse? il voulait faire Ah, venir ça pour et. donner le Death Touch à ses bloquants. C'était très bien vu, mais on l'a encore plus vu. Hop Outplay! là! Mais son play était bon. Incroyable, ouais. Oh, c'est un bon play ça. Je touche rien. Oh, je pars comme ça. Incroyable. J'ai adoré. Et c'est le truc du. Ah, le mec, il est parti Eh en oui, mode. parce Ah, c'est bon, je il me a casse. ordonné comme ça Il en pensant a au. ordonné en faisant revenir son truc et en Death Touchant Pas sur. bon C'était ça. bien joué de sa Bien part. joué, mais pas bon. Mais c'était sans compter Khaenris. Bon, je t'ai. Amaterasu. Pardon. Oh, c'est bien. Et là, il regarde son side, il dit, putain, mais qu'est-ce qui bat Kenris? Mais rien! Rien. Rien! Oh, le Kenris qui donne le petit marqueur. Ah, c'était beau, hein. Du coup, il a Oh! rien tradé. Il s'est empalé. Ça m'a fait rêver. Notre adversaire est actuellement comme ça. Sur sa phase d'attaque. Et ouais, au dernier moment, il a fait sur le marqueur. Ensuite, concession. Merde. Faudrait que je trouve le bruit de concession, que je le mette. Genre. C'est pas mal, hein. Moi, ouais, c'est pas mal. En tout cas, ça fait ce qu'on veut, quoi. Bah, comparé à plein d'autres mains qu'on a eues dans cette vidéo, Oui. c'est pas mal. Tu sais que je peux perdre cette game sans aucun problème maintenant. Ouais. Y a pas de Parce que du souci. coup, on la base. Du reste, ouais, victime de la guerre, vas-y. Je manque à gagner. C'est On vraiment le comptait. play que je Oh comptais pas là là. Et caster, à la quoi. spirale de Ah, croissance c'est qui est bon ça. cachée. Ça, c'est bon ça. Non, ça, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, Ah, ça, c'est bon. ça va aller, quoi. Allez, 2 secondes, calmez-vous. En vrai, Wador, je sais pas si on la laisse contre lui ici. Ouais, ça fait 2-3 pev. Ouais, ça fait quand même des trucs. Oh, on trouve le petit mana pour faire ce qu'on veut.
Druides ici. Est-ce que c'est mieux Spirale. que Spiral? Bah du coup, est-ce que en fait, il y a Druides si tu veux vraiment trade dans son chevalier. Non, Mais là, ah oui, il mais a non, il peut commencé, pas, donc non. il va le bourrer, ouais. Il va la bourrer, c'est pas bien. Je crois que c'est mieux Spiral. Si on trouve Fire, on Ouais. pourra faire Fire adjointe. Effectivement. Ça, enfin, ça nous aide plus à trouver Fire, parce qu'on va piocher. C'est ça. Bon, écoute, on va prendre 4. Et s'il développe Ah, rien il le fait d'autre? pas, il Ah, voulait développer un il truc, voulait là, je pense. développer. S'il nous développe une engeance, c'est chiant. La 4-4 vol, là. Oh, bah, il prend ça, hein. Oui. Enfin, Ah, oui, il le si, prend. il Oui, prend, il le prend, il le piqué à prend. passage. Oh, c'est beau. J'ai un Krakos. Ouais, c'est play faible, Allez ça. hop. Tombeau luxuriant tapé, comme ça au moins on prend pas de pev. C'est génial. Et c'est bien, quoi. Du coup, Du coup, c'est ça. plaine, Je peux faire deux adjointe. druides sinon. Non, on rentre dans rien, c'est pas bien. Alors, adjointe, il faut prendre chevalier ou géant Krakos? Telle est la question. Alors chevalier, ça va snowball. Mais ça lui fait dépenser du mana. Donc, plutôt géant Krakos. Donc plutôt géant Krakos. Ok. Bon, par contre, il faut trouver des cartes puissantes là. Là, maintenant qu'on a les manas, maintenant on veut ce que le deck fait de Ouais. bien, c'est-à-dire les trucs débiles quoi. Exact. Mais au moins, on a plein de bloquants en attendant. On peut payer 10 midettes en plus, hein. Ouais. Bah Voilà. écoute, on va prendre un ou Pas de bloc, 4 hein. à ta guise. Alors, il a encore un play. Encore géant peut-être. Petite sortie. Mèche, Oh, il n'y a ouais, il pas de prend une problème. druidesse. Sortie un peu mollasse quoi. Ouais. Bon, passage pour pouvoir ne pas Ouais, repiocher des landes. passage. Et ils ont quoi comme land ici? On Je veut vais. double noir pour victime. Ouais, donc je vais chercher noir. Et on a tout le reste, c'est bon. Le marais. Ah bah il restait que lui de toute façon. Il n'y a pas le Oui, il choix. n'y a plus choix. Ah, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de basiques. Pas d'attaque, on pourra bien bloquer ce champion. Ce serait quand même malvenu qu'on perde sur une foule. Hein. Ouais, Faut parce le dire. qu'on les a cherchés, nos landes. Pas de bloc. Il est tellement Tant qu'il a mollasse des plays. quoi. Ouh, ça c'est chiant par Ça c'est un contre. peu chiant. Ouais. Après, victime de la guerre va vite le. Oh, c'est bien ça. Pas mal du tout ça. Dis-moi. Je sais comment mettre des marqueurs moi. On mettrait pas des petits marqueurs là? Ok. Pas d'attaque. Tu sais que je peux aussi juste bloquer le régisseur avec Kenris et mettre un marqueur dessus. Hein. Ah ouais, mais du coup, on perd Kenris. Ouais, mais il n'y a plus de régisseur. J'aime quand même bien, moi. Je crois qu'on prend juste 8, Qu'est-ce qu'il fait? potentiellement Qu'est-ce qu'il 11. fait, notre Kenris, là? Qu'est-ce qu'il peut faire? Quels sont ses capas au tour d'après? Gagner 5 PEV. 5 PF, piocher des cartes. Ouais, non, il faut le garder quand même. Je crois qu'il faut quand même donner notre druidesse, vu qu'on a plein de mana. On peut donner notre druidesse, ouais. Si la top deck Umbercleave, je vais rage. Bon, ça va. Ok. Et on va juste transformer en 2-4 On va mettre un notre marqueur là-dessus, ouais. adjointe, ouais. Ok. Go. Il y avait le play aussi de. Ah, bah, prochain tour, on peut mettre. Si je mettais un marqueur là, je pouvais au tour d'après mettre deux marqueurs sur Kenrith. Pour tenir Pour Régisor en tenir respect. Régisor. Ouh, on va tuer ce chevalier de Mais la c'est Légion très très bien ça. d'Ébène. Mais comment on pioche affreusement, horriblement pour notre adversaire? Ouais. C'est insane, non? Ah, c'est parfait, j'en reviens pas. Ça, hein. Ouais. Ah, ça, on tue ça. Hop, et nous on le garde, on Et gagne 3 forêt PV. pour pouvoir mettre un marqueur encore. Parfait. Parfait, Chi. Ok, il n'y a plus qu'Umbercleave là qui nous met Je pourrais mal. limite saucer, mais je vais pas bloquer avec ça. Tiens, Umbercleave, ah, mais on le saura pas. Ah, je crois que tu peux attaquer avec Ouais, je vais Kenrith, attaquer avec ça et étonnamment. ça en vrai. Et on fera double bloc sur Régisor. Ouais. Non, je vais garder ça pour bloquer ça, remarque. Ok, bah, tu mets juste 5 points à Kenrith alors. Et s'il bloque, on met piète. C'est beau quand même, hein. Oh, j'adore. Ah, et pioche mal, s'il te plaît. Pioche mal, JWR2. Pose cette montagne. Et pose ce transistor. Double bloc. Ouais, je pense. Tranquille. Ouais. Il accepte. Il a bien raison. Ah bah il en a un Alors, autre. fin de tour, tu peux grossir ton Kenris comme tu l'as dit. Ouais. Écoute, on est en train de vivre. Et bien. C'est parfait ça. Un chum bloquant, des petits food. On peut toujours faire double marqueur sur Kenris pour avoir un bloc. On est refait quand même. Pas d'attaque, si jamais il attaque pas. Mais en vrai, on peut juste prendre 7 et gagner 5 PV. C'est vrai, c'est beaucoup plus safe sur Hein. Umbercleave. Par contre, il faut faire attention à pas mourir sur Umbercleave. Et je donne pas loi d'or par contre. Non.
Non, on va accepter de prendre 7 si jamais il daigne attaquer, mais il va pas attaquer, Il attaque il nous pas. respecte trop Je là. pioche une carte du coup. Là, tu peux faire revenir ton Tolzimir et se battre contre son Oh, champion c'est pas mal fervent. ça. C'est nice, Ouais, hein? c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est bien sweet. On perd 2 PV dans l'histoire, mais on pose du board et on le fait concéder, je pense, sur ce play. Ouais, je crois que là, ça va être dur. Écoute, Oh. JR En fait, Tolkien, c'est le meilleur deck. si t'as pas compris ce qui se Je passe, suis KO. Je suis KO, c'est le meilleur deck. vraiment, va-t'en, quoi. C'est. Oh là, tiens, je lui Oh signifie putain. là. Oh putain. Ah bah là, tu le bourres pas l'étal, là? Avec les deux marqueurs? 8. T'as l'étal. Let's go. Oh, il Ah, est on y dingue, ce va. deck. Oh, le meilleur deck. Mais Oh, c'est le meilleur deck en je trouve fait. ça Mais c'est pour insane, ça qu'il le joue. C'est le meilleur deck ce qu'on contre vient de Rogue-Noir faire, je aggro. trouve ça insane. Tu peux mettre ça dans le titre, le meilleur deck contre Rogue-Noir aggro. Ah ouais, je vais le mettre. Alors qu'en vrai, c'est pas du tout le Pas du meilleur. tout. Tu peux donner célérité. Alors, qu'est-ce qu'il va essayer de tuer? Il va essayer de tuer notre Khenris, qui est un peu chiant. Ça le fera quand même pas vivre à long Alors je terme. vais mettre piétinement. Ouais. Et un marqueur. Ouais. Mais on a perdu Khenris sur cette attaque. Ouais. Sur Sur le quoi? 3-5, je pense. Ouais. Sur le Sur ça. 2-4 qui viendra 3-5. Je peux sacrifier le foudre, remettre un marqueur. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 et 5. Ah ouais, faut que je remette un marqueur du coup pour avoir l'étoile. Ah, parfait. Là-dessus. Vert, Ah bah nickel. foudre. Normalement, si j'ai bien compté, T'as bien compté. on est bon. Tout pile. Mais voilà. Oh, c'était parfait. Ouais. Ah mais non, il a life link. Il a le life C'est une link. catastrophe. Bon, Ouais, après. ça va aller. C'est le genre 4, attention. C'est pas vrai. Normalement, c'est bon. Il en a retrouvé un? Mais non. Oh, c'est incroyable. Mais il vit quand Mais même pas. non. Il vit quand même pas. Il passe à 6. Il bloque ça. Il est mort. Il est mort, on est d'accord. Normalement, c'est bon. Fou, faut pas me faire ça, mon cœur. Tu vois, moi, c'est le genre de game où j'ai rangé mes cartes. Et le mec me dit, mais non. Et ben voilà, Pas trop encore. tard, j'ai rangé mes Oh, cartes. c'était fou, quoi. Oh, c'est dingue. Bon, il est quand même pas évident, ce deck, hein. Faut quand Non. même se battre avec ça à Il est mana base, vraiment quoi. pas évident Par et je contre, pense que le mec est super déçu d'avoir perdu cette game. Par contre, quand tu bats ta mana base, ah, En tu fait, déroules, c'est quoi. ça qui est bon avec ce deck, c'est l'impression de gagner deux games alors que t'en as gagné qu'une. C'est Parce que t'as super. battu le deck comme ça et t'as battu l'adversaire comme ça. Il faut le mater, mais peut-être que Kanyukuro, il s'est pas préparé en jouant contre des adversaires. Il a mis des coups de fouet à son deck pendant 2 mois, tu vois. Il l'a Il s'est maté, tu vois. enfermé dans une salle Tel avec son deck. le lion au cirque, tu vois. Ce Exactement. qui n'existe plus d'ailleurs, parce que c'est pas bien de maltraiter les animaux. Et ouais, surtout pas faire ça. Les cirques ne. Petite info, hein, Oui, c'est vrai, n'utilisent ils sont plus d'animaux. interdits, ouais. Mais lui, voilà, il a essayé de mater le deck, tu vois. Mais ouais, c'est genre enfermé, pas de lumière, mano mano, tu vois, Comme ça. 1v1. Bam, Et il a chopé les patounes, tu vois, du deck comme ça. Et puis il l'a couché, et ça Et fait. du coup, son deck sortait de manière correcte, quoi. Ouais, Parce que du coup, le nous. mec a dit ok. Mais tu vois, on l'a un peu maté entre la première et la deuxième game, hein. Mais ça, c'est genre dans les trucs en mode Eragon et tout, c'est le dragon qui est trop noble, tu vois, ce deck, mais qui accepte, tu vois, pour Il un, dans un accepte le but commun, propriétaire. il Ah, accepte c'est propriétaire, mais ça. il peut à tout moment le manger, tu vois. Mais Ouais, il lui dit, ouais. mais je t'accepte pour le moment. C'est Et ben, vrai. c'est Eragon. exactement ce Très, très deck. bon roman, d'ailleurs, Ah ouais? Eragon. Ouais, Ben, je sais j'aime pas, j'ai beaucoup. vu que le film Ah, qui dit horrible. la suite que j'ai jamais. Horrible ce film. Attention, hein. Ah, vraiment, c'est une erreur. C'est le Dragon Ball Evolution d'Eragon. Hein. Ah non, je Des vous le dis. dragons. Oh! Et Dragon. Franchement, tous les mauvais films comportent des dragons. Je Quelque crois. part, des Ouais. dragons balles, Ouais, quelque des part, dragons c'est tout vrai. court. Non, mais enfin, Sangoku va au lycée. Voilà, je précise juste. Ouais. C'est la fin de cette vidéo. Sachez-le. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Si vous nous suivez, c'est sur les réseaux sociaux, dans la description, Twitter, Facebook, Twitch, Discord, Twitch tous les jours en live de. Je sais pas quelle heure, je sais pas quelle heure, ça dépend des jours en fait. Voilà. Tous les jours en live, de Généralement lundi en au fin de soirée, vendredi, en sauf fin de la soirée. matinale. Sauf la matinale, et surtout n'oubliez pas, c'était C'était de de la la belle belle magie. magie.